Donc tu as regardé en tomographie aux rayons X. Je te montre les images. Oui, oui, je veux bien que tu montres les images que tu as prises. Donc là, j'ai les deux échantillons immergés dans les solutions et on voit bien la couche de précipitation à l'extérieur. Mmh. Et on voit bien que... On voit bien une couche uniforme. C'est ça. Donc sur tout le volume, on voit que la couche est... Donc mes activités concernent les céramiques. Je travaille sur différentes applications de ces céramiques. L'orthopédie, le domaine dentaire, donc tout ce qui concerne les prothèses, les activités aéronautiques, aérospatiales, par exemple pour la fabrication de miroirs de télescopes avec un faible coefficient de dilatation thermique, voire jusqu'au domaine de la catalyse où l'on recherche des matériaux poreux pour cette catalyse tout en ayant des propriétés mécaniques suffisantes. Donc le spectre est assez large en termes d'application de ces céramiques techniques. Because the microstructure is quite similar to what we see in metals. In fact, we are discussing about steels and so on. Une des spécificités de nos travaux, hein, qui fait réellement la reconnaissance du laboratoire dans le domaine des prothèses, concerne les matériaux à base de zircone. On a été capable de montrer les mécanismes de dégradation de ce matériau, ses limites, mais aussi ses intérêts. Et aujourd'hui, on a été capable réellement de développer des matériaux à base de zircone qui soient résistants mécaniquement, sans risque de fracture, résistants à l'usure et qui soient suffisamment stables dans le temps pour proposer des prothèses à vie. Dans le cas du projet européen Long Life, nous avons développé des prothèses intervertébrales mobiles en céramique. L'intérêt principal de ces prothèses est d'éviter les systèmes de fixation qui généralement diminuent la mobilité de la personne et qui ont des problèmes de durabilité dans le temps. Ici, entre les deux vertèbres, on vient positionner un système mobile qui permet d'avoir cette mobilité et de ne pas solliciter trop les autres vertèbres et donc d'être plus durable dans le temps. On a passé le cap de la validation de prototypes, de validation in vitro des matériaux et viendra très rapidement la validation préclinique de ces structures-là. Une deuxième originalité de nos travaux concerne les substituts osseux à base de bio-verre hein, qu'on a fait en relation avec l'entreprise NoraCare. Et cette innovation concerne le développement de ces matériaux sous forme poreuse et donc on a pu montrer réellement cette intégration très bénéfique de ces matériaux dans le corps humain. Pas de dégradation, pas de fissuration. Pas de fissure, on n'a pas vu de fissure. Ni de transformation de phase. A priori, très peu de transformation de phase. S'il y en a, c'est vraiment en extrême surface. D'accord, très bien. Donc ce prix représente vraiment le résultat d'un travail collectif de longue haleine. Ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on a travaillé sur ces matériaux. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est le travail de différents collègues, en relation avec différents collègues, dans le domaine bien sûr de l'ingénierie et des matériaux, dans mon laboratoire, mais aussi avec des collègues du domaine médical, avec des médecins, des praticiens, des entreprises, donc des collègues des entreprises. Et c'est vraiment le résultat collectif hein, qu'il faut mettre en évidence dans ce prix-là. Et donc, c'est quelque part l'aboutissement d'échanges, de relations très, très intéressantes avec toutes ces composantes de l'ingénierie au sens large et ce domaine applicatif qui sont aujourd'hui mis en avant à travers ce prix.